working as a dame de table at the Guerlain Perfume Factory at Orphan. Sylvie Roumet believes that beauty is a never-ending pursuit, and it is embodied in the art of bottling. With wax seals, botouchage and babichage techniques, dame de table add finishing touches to every perfume bottle. On fait partie d'un groupe de six dames de table au jour d'aujourd'hui. Et notre rôle, c'est d'embellir, d'habiller. Et moi, aujourd'hui, avec mes 24 années d'ancienneté, j'ai en plus la transmission à apporter, donc sous forme de formation. J'ai appris plein de choses. J'ai aimé découvrir la beauté des flacons qu'on pouvait apporter avec ces décorations de soie, de ruban d'or, de fil argenté, toutes sortes de parures. Au jour d'aujourd'hui, je transmets à mon tour mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris, cette minutie, ce goût de la qualité aussi, parce qu'on est beaucoup sur la qualité, des produits très prestigieux. In 2018, by the recommendation of the Comité Colbert, Sylvie Roumet was presented by the French Ministry of Culture with the medal of the Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. In 1954, the Comité Colbert, which gathers French luxury houses, was created by Jean-Jacques Guerlain. For Guerlain, beauty is not only an attractive exterior, but also a responsibility and a faith. Nous avons une expression chez nous qui est celle des racines et des ailes. Donc les racines de la maison, et ensuite l'émancipation et aller de l'avant pour inventer. La raison d'être, c'est quoi de Guerlain? Eh bien, c'est au nom de la beauté, c'est défendre la beauté de nos clients, c'est défendre la beauté de nos produits, à la fois sur les formules, mais aussi les flacons, la mise en scène, qui sont traités comme des œuvres d'art. Since 1828, when Guerlain set up its first workshop in Paris, the pursuit for beauty has been at the core of its brand culture. And this time-honored cultural insignia is now testified by the Dame de Table.